je vais demander à l'amphi. Les actionner dans l'air, avec une petite coquinerie dans l'œil. La journée est ouverte. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la Cité des territoires de Grenoble. Je voudrais remercier, avant d'oublier, l'ensemble de l'équipe d'organisation, le personnel du laboratoire et des deux universités, les doctorants et notamment les étudiants du Master Innovation et Territoires, dont certains sont dans la salle. C'est un peu déstabilisant, en fait, d'ouvrir une manifestation de cette nature qui est hybride dans son objet, mais hybride dans sa forme. On ne sait pas exactement effectivement où on est, ici à Cité des territoires, dans cet espace transformé en une sorte de cirque, mais d'un cirque scientifique. Finalement, en tout cas, ce que j'ai compris du but de ce colloque, c'était à la fois de parler, enfin d'une hybridation sur la forme, avec un public varié, une culture différente, et également une hybridation sur le fond, c'est-à-dire l'hybridation en tant qu'objet d'étude. Oui, il me semble que c'est très important qu'on voit que ce colloque n'est pas seulement un colloque universitaire et des spécialistes, puisqu'il a une importance pour le monde en général. Ce qui est très bien dans ce colloque, c'est que nous avons tous ces urbanistes qui peuvent donner à nos réflexions un sens pratique, en disant que, voilà, nous devons repenser la ville. Le mot hybride et hybridation, comme beaucoup de mots qui viennent du latin, sont des emprunts savants au XVIe siècle, à la Renaissance. Le mot n'existe pas au Moyen-Âge, et il est pris au latin, où c'est un mot essentiellement de zoologie et de zootechnie. Le mot devient important dans la culture en France, au XIXe siècle, au moment du développement de la botanique, bien avant la génétique, vers 1820-1825. Et curieusement, c'est à la même époque, notamment avec des témoins littéraires comme Victor Hugo, qu'on commence à employer le mot hybride, hybridé, hybridation, au figuré, pour des choses qui se croisent, pour des choses qui ont deux origines distinctes et qui produisent quelque chose de commun qui, très souvent, fonctionne mieux que les choses originelles. Et ce mot porte en lui cette connotation positive où l'hybride n'est pas là pour abîmer, mais il est là pour améliorer. Et comme le disait Alain Rey, le mot comporte aussi une connotation négative parce que, on ne l'a pas encore dit, mais le mot hybride est un mot hybride en soi, par excellence. Un mot hybride, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui est composé de deux composants, de deux langues différentes. La langue française en est truffée, automobile, c'en est un par exemple. Auto, ça vient du grec, et mobile, ça vient du latin. Voilà, ça c'est un beau mot hybride. Thank you.
Bellocus de Colobide.